Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de la Ligue Water. Donc on a fait un petit live hier soir, cette nuit, ça dépend comment vous vous placez. Donc on se retrouve là pour la phase de tirage au sort. Donc on a eu tous, voilà, on voit un petit peu ce qui se passe. On a fait la phase d'inscription, je vous ai montré la vidéo, vous avez eu la vidéo. On a les participants, etc. ici. Là, on passe à la phase de tirage au sort. Donc, vous pouvez voir absolument tout. Vous avez Terre d'Apocalypse 1 à état 1 à 34, je crois, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus. Franchement, je ne saurais plus vous dire. Aube de l'espoir, etc. jusqu'à la loi de la jungle. Vous voyez, là, ça commence à être des états un peu plus récents. 245, 275. Et plus vous allez aller ici, voilà, état 47, ou c'est peut-être état jusqu'à état 40, 1 à 40, je crois, Terre d'Apocalypse. Donc voilà, on se retrouve Terre d'Apocalypse, et on est zone de bataille pareil, hein, plein de zones de bataille, 32 zones de bataille, deux groupes à chaque fois. Vous avez les combats entre les manches, entre les quatre équipes, et ensuite les deux premiers de chaque groupe vont se rencontrer. Donc on va dire que dans chaque groupe, vous avez une bête noire et les trois autres clans. On a eu de la chance à ce tirage au sort, c'est comme un PSG Marseille. On est la bête noire, on est le PSG, et puis on a on va dire des seconds clans. Je suis allé faire, si vous avez pu voir le live, on se retrouve contre des voilà, 20 joueurs, 14 participants. Donc voilà, là, 12 participants. Enfin voilà, ça va pas être forcément très intéressant pour les phases de qualification. Et voilà, hein, tant mieux avoir ça que se retrouver, hein, comme vous voyez, 13 890 points. On va ici, 13 879. Ils se retrouvent contre TFB dès leur premier combat. Donc, ok, ça va pas être forcément très intéressant, mais à choisir, je préfère commencer ici à avoir ce tirage-là pour les premières phases de poule entre guillemets, hein, pour ceux qui parlent un peu fouteux, et arriver tranquillement en demi-finale et en finale de qualification zen tranquille que me retrouver contre des mammouths dès les premiers combats. Donc voilà, on va se retrouver dimanche à 15h UTC pour le premier combat contre l'état 35, donc l'état de la Bratva contre Hardcore Unity. Donc j'espère qu'il n'y a pas un mec de la Bratva à l'intérieur, je suis pas allé voir le global, j'espère, parce qu'ils sont un peu tous séparés. J'espère que t'as pas un mec de la Bratva à l'intérieur. Full God, Maxé Plasma, Maxé Laboratoire, tout avec 1 milliard de troupes, parce que sinon on va charbonner. Mais voilà, normalement ça devrait le faire pour le premier combat. Et puis bah de toute façon, voilà, on va se retrouver en live. Internet devrait bien marcher, et on se retrouvera en live pour le premier combat, donc on verra. Et puis voilà, on a eu quelques petits ratés. Comme vous avez vu, certains clans ne sont pas inscrits, certains n'avaient pas les 8 victoires. Enfin voilà. En tout cas, nous, sur l'état 21, on a pratiquement tous les clans qui sont inscrits. Sauf si je dis pas de bêtises. Donc quand je dis tous les clans, je dis les principaux. Hein. Parce que on va jusqu'à LGN est inscrit, YXN est inscrit, NFL est inscrit, petit KTT j'ai pas vu, ITA est inscrit, CZE inscrit, POI inscrit, RDR inscrit, DHC inscrit, et les trois gros aussi. Seul DMR, et je pense que c'est parce qu'ils sont dans un clan récent, depuis pas longtemps, et ils n'ont pas les 8 victoires en League Water. Et ben voilà, indice de réservoir C. Et si je dis pas de bêtises, il faut un indice S pour participer. J'ai pas lu toutes les règles. Hein. Hein, vous savez comment je suis. Tout ce qui est de la paperasse, j'essaie d'éviter. Je regarde en même temps avec vous à chaque fois. C'est plus intéressant. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, il faut être en indice réservoir S pour pouvoir participer à la ligue. Donc bah voilà. C'est dommage, hein, parce que c'est que des gros. Hein, c'est Rottweiler, etc. Toute la clique. Le papier allemand full depuis perpète. Donc voilà, juste. Ben voilà, pas de ligue pour eux, tant pis. Hein.
Ils avaient qu'à mieux regarder les règles, etc. Donc voilà. Donc nous, on se retrouve pour le premier combat. Et donc oui, un petit détail, au final, voilà, je ne peux pas participer au réservoir. Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent participer au réservoir et auront leur réservoir toutes les 2 semaines, comme d'habitude. Donc voilà, nous, on va se quitter là-dessus et on se retrouve dimanche 15h UTC pour le live du premier combat. Allez, passez une bonne soirée, bonne journée. Ciao, ciao!